On dirait que la cité du mur ne tient pas à grand chose. On aperçoit les fissures énormes. Bah oui, on avait vu. On avait repéré Red. Donc on imagine qu'avec un peu de flamme ou une bombasse. Bravo! Je viendrai t'aider, t'inquiète pas. Je t'oublie pas. Où tu sors, toi? Oh my god, y'a des routes partout. Oh la 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 lila loula lila loula, ça rend dingo. Je vois rien. De l'herbe. En dessous. Ok, comment on voit au coffre de là-bas? Là apparemment on est bloqué. Donc là... il faut se souvenir du chemin qu'on a fait. Donc ça c'est fait. Ensuite ça se séparait ici la route. Ici j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Une forme à WordPress. Ah, tu verras WordPress c'est pas très compliqué en vrai. Tu maîtrises déjà le code HTML et tout. Si tu maîtrises ça et que tu maîtrises le système de blocs. Tu sais, les blocs, genre quand tu fais un site web, comment on appelle, c'est avec... ah mince, j'ai un trou de mémoire. C'est les CSS de... comment on appelle le système avec les blocs, là? J'ai un trou de mémoire. Bref, si tu maîtrises ça, WordPress, c'est... des pépites, chat. Ah, bootcamp. Bootcamp. L'HTML et bootcamp. Des trucs genre dans ce style là quoi là. Bon logiquement WordPress c'est... finalement WordPress c'est juste installer des... c'est juste installer des trucs quoi. Des modules quoi. Bravo de l'herbe. Là tu verras, c'est pas très compliqué. Et c'est pratique WordPress en vrai. C'est magnifique dans ça. Ouais, bien sûr. Ah non mais en fait quand tu maîtrises ce que je t'ai dit là, en vrai après c'est cadeau parce que t'as plus qu'à récupérer des trucs déjà faits, les modifier comme t'as envie et tout, hein, c'est ouf. C'est assez marrant. Attendez, j'ai l'impression que j'ai vu... j'avais loupé un truc, je vais sauvegarder ici parce que au moins on reviendra plus vite si jamais j'avais rien raté. Il m'a semblé que... ouais, ouais, il y a moyen de vraiment s'amuser hein, sur WordPress, c'est très très fun. J'avais fait un site dessus. J'avais fait une formation, c'était grave cool. Attends, c'est le début ça? Frérot, tu me fais traverser toute la map pour venir chercher ça à un moment donné, c'est que je te fous de ma gueule un peu quand même, quoi, non?
Et là, les escaliers, je pense que c'est là où il faut aller, les escaliers. En fin de suite des cours, on fait un site de burger. De burger ou avec un menu burger? Faites des sites sur les hamburgers. Un restaurant de burger. Ah, c'est classique. Il faut pas beaucoup de pages en plus. C'est quoi? C'est un site en all-in-one? Une page? Sur une seule page ou il y a plusieurs pages? C'est un peu la mode ça maintenant. Il y a beaucoup de sites qui utilisent ça. Le système de scrolling pour avoir qu'une seule page. Après, remarque, pour un site de vente comme ça, il te faut plusieurs pages parce qu'il faut quand même que tu mettes en place le panier, le machin et tout, donc tu peux pas faire en une page. Donc j'imagine que c'est en plusieurs. Ça se bouille la musique qui rend foufou. C'est bizarre ces chemins là. Des chemins qui mènent à rien. Oh Satanas, on est arrivé. C'est un site vitrine. Ouais bien sûr ouais. D'accord, bah c'est cool ça. Ouais, c'est pas très dur à faire en plus. Commencer par ça, c'est... C'est plutôt cool. Je vais juste me régénérer un petit peu parce que je sens qu'il va y avoir un boss en haut. En tout cas, on va pas tarder à arriver, je pense, au boss Zazan, là. El famoso Macaco, le chef Macaco. Tour du grand arbre. Comment tu peux t'échapper? Capturez-le, espèce de bouffon. Oh les bouffes. Oh les bouffes. Ah t'as de bouffe. Et voilà. Ils traitent de bouffon. Ils se traitent entre eux de bouffe. Hop, le cassoul. Voilà, on a ça, on va forcément en avoir besoin, ce truc-là, là, c'est sûr. Oh là là! Oh là là! Hop! Esquive! Ah, c'est bon, c'est pas moi, là? Oh purée! Eh ben, j'ai rien esquivé, mais... Hop, tout dans le cul. Bouffons toi-même, j'avoue. Hein. Toi le bouffe. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'autre côté, là? Oui, en fait, il fallait sauter en diagonale comme ça. Je suis con. Oh, le bouffe. Hop là! Petite esquive. À piquer des hannetons. Mais qu'est-ce qu'on a de beau ici? La prison, on va aller libérer le gars quand même, non? Il y avait le gars dans la prison. Ça devait être par ici la prison, je pense. What? Bizarre cet endroit quand même. C'est quoi cette maison? C'est-à-dire une maison où il n'y a rien. Les mecs, ils se sont dit, tiens, si on faisait une maison où il n'y avait rien. Ah ouais, pas mal. Ah ouais, bon, ok. Bref. Fantastique comme idée.
Une idée de génie. Et là on sort là, c'est pas ça. C'est la sortie ça. Oui. Grand arbre, là c'est d'où on est sorti, d'accord. Ah non, il y a deux. On est sorti de là. Donc il y a une deuxième entrée là-bas. Tour du grand arbre. Je t'ai vu. Qu'est-ce qu'il fait? Gougou. Regardez. Gougou. Oh non, il m'a eu. Comment il m'a eu? Trop mignon le petit chaton. Le minouze. C'est le petit minouze. Il est fatigué. Il est tard, il est fatigué. Hey, mais là du coup on peut pas rentrer parce qu'on a pas la clé, c'est ça? Je dirais qu'il est impossible de l'ouvrir. Regardez là. Ah oui là, d'accord. Ah oui d'accord, ok. Là je reconnais. Mais à gauche par contre on connaît pas, on n'a pas été. Et on peut pas parce qu'il y a le mur. Bon, pas trop le choix, alors on a qu'un chemin quoi. Pas un peu de vie. Cette maison elle est chelou. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve qu'elle est bizarre cette maison. Maison mais nulle part là. Mais y'a rien. Sacre bleu. On a raté quelque chose alors, c'est sûr. La maison hantée. Alors y'a, ouais, y'a un truc à faire dans la maison mais on n'a pas vu quoi. Qu'est-ce qu'on a pu rater ici? Qu'est-ce qu'ils ont la soluce? J'avais un tour de grand arbre, 3 mugs t'attaquent, ensuite va en bas, la porte s'ouvre. En ce moment, il y a des boules piquantes, dirige-toi en bas, il y a une herbe, ressaute. Je triche. Obligé là, ça fait 1000 heures qu'on est sur ce jeu, j'en peux plus. Oh putain, j'hallucine, je viens de voir ça là sans faire exprès. C'est honteux. Je lis, il y a marqué rentrer dans la porte de gauche. Et je me dis, bon, ça, c'est pas celle-là, là y'a rien. J'ai d'aller là et là je vois qu'il y a un chemin. Soude ma gueule le jeu. Hein. Ah tu vois, mais on regarde la soluce, pourquoi mais... Pour rien, parce qu'en plus c'était juste, il fallait juste aller tout droit quoi. C'est quand même du foutage de gueule. Et c'est le jeu qui rend fou, je t'ai dit. Qu'est-ce que c'est ça? Faut mettre des bombes là aussi. Merde. C'est quand même chelou quand même de faire des baraques comme ça et... Avec un truc bizarre là. Moi je soupçonne qu'il y a quand même une embrouille là-dedans. Tourne en rond. Attends, qu'est-ce qu'il y a ici? Regardons. Regardons qu'est-ce qu'il y a ici, attention. Et ici, il y a une caisse en haut, là. Eh ben, super. Avec rien. Avec rien.
plus qu'une maison. Il va rien avoir non plus. Ah, ici c'est pour sauvegarder. Le taux de suicide des joueurs augmente. C'est à cause d'un Alundra, ça. On est rentré dans la maison d'ici ? Non plus. Bah oui, c'était bloqué. Donc on a vu qu'il y avait un coffre. Sur le côté. Oui. Ok, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ok, ok, ok. Vrai de vrai ou de l'herbe. J'ai entendu qu'aux États-Unis, l'addiction aux jeux vidéo était en augmentation. Oula, il y a un ring. Oh, c'est le ring, ça. Il y aura des sages, hein, je vais ouvrir. C'est sûr. Excusez. Et voilà. Un florin et du coup... It's a trap. Oh, foutez-moi la paix. Non, pas les archites, c'est mort. Non mais le mec il tire derrière lui quoi, c'est un génie. Sûr, avec des jeux comme ça, ça va être un boulot. Hein. Bah, c'est la photo village. Hein. Mais ici, c'est bon. On peut être tranquille 2 minutes là. Ça pour un florin quoi. Je l'ai vu en bas. Vous les voyez les singes cachés en bas là? Je croyais que je l'avais pas vu. Hein? Tu croyais que je t'avais pas vu hein? Ok, ok, ok. Ok, qu'est-ce qu'il y a ici? Encore un piège, mais il y a des pièges partout, super hein. On s'éclate, on s'éclate. Putain, je me fais casser. J'active un truc sans faire exprès. Hop. Bon, ça on peut pas monter là, c'est pas un escalier ça. Si, voilà. Si je vais là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Rien. Et si je vais là, qu'est-ce qu'il y a ici? On peut pas passer. Ok, moi j'ai pas le choix alors du coup. Ok, on est full life. Donc là on va ici, on va là. On va là. Là qu'est-ce que je fais? J'imagine que je vais là-dessus. Et là-dessus? Ok, non. Ok, bon, j'imagine qu'il faut aller là-bas et faire quelque chose ici. Ok, ça bouge, il y a tout qui bouge et c'est la merde. Oh, macaco! Ça suffit, hein. Les macacos, ça suffit. Hein. Donc là, on reprend à zéro. Du coup, j'imagine qu'il faut monter sur celui-là en premier. On va là. On attend. Oh là-bas. On l'a vu, lui, hein. Vous allez voir, il va nous attendre pour nous faire tomber juste à la fin.
On va là-dessus. Vous avez vu la fourberie? Regardez la fourberie de la 3D dégueulasse. On n'arrive pas à savoir où est le truc à distance. Vous voyez là? Pourquoi là ça monte? Pourquoi là? Vous voyez, je suis au milieu du cube. Vous voyez, je suis au milieu du cube. Et bien pourquoi? Genre ça passe pas. Parce qu'en fait, il faut aller tout en bas. Vous voyez? Et tout en bas du cube, regardez. Vous voyez comme c'est des enfoirés? Le bas du carré, en fait, c'est l'entrée. Ils l'ont pas centré, en fait, le truc. Comme ça, vous mettez au milieu en disant... Au milieu, c'est bien. Je m'étouffe. Au milieu, c'est bien. Et en fait, non. Ça peut être une histoire, je vais écrire un livre, ça serait juste en fin. Mais c'est ça. Faut que je boive. J'ai aspiré, je sais pas, un poil ou... Un truc qui volait par là, quoi. Peut-être un moucheron. Petite mouche. Alors, on reprend. C'est bon, on est pas mort. Ok, là il y a une sortie, mais en haut il y avait un truc. Il y avait un singe. Enfin, il y avait un chat. Voilà un petit chat. Et du coup, qu'est-ce qu'on ouvre là? Ah! Non mais... C'est pas lui qu'on veut ouvrir. Le bocal. J'ai quand même envie d'aller voir ce qu'il y avait en bas. Pour le coup. On va sauvegarder ici. Et on va se taper un speedrun, vous allez voir. Vroom 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 vroom. Ouh, me rattrape. D'accord, ok. On est en haut sur un arbre, superbe. Et on est bloqué. Il y avait juste rien en fait quoi. Et bah super V. Keblo. Qu'est-ce qu'on a ici? Des singes, encore des singes. Bon bah remarque, vous me direz, on aura littéralement éliminé tous les singes du jeu quoi après. Il n'y aura plus un singe dans le jeu, quoi. Eliminado. On a littéralement éradiqué une race du jeu. Alors que eux, là-bas, ils sont juste contrôlés par Melza. Hein. Enfin, ils écoutent leur chef qui est contrôlé lui-même par Melza, quoi, donc. Ok, il y a un coffre. Ok, il y a des coffres. Ok, il y a des coffres. Il faut juste un truc pour monter dessus, s'il vous plaît. Ok. Ok, ok. Ok. Très bien, mais on peut pas monter apparemment. Oula. Freinage d'urgence. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bah donc j'ai pas trop le choix. J'imagine que c'est de l'autre côté. Ah. Ah oui, d'accord. Ok, il faut sauter.
Et on arrive de l'autre côté. Bravo. What? Ah oui, d'accord. Et là, on va dans la cheminée qui nous amène derrière la porte qui était bloquée. C'est verrouillé. Ah ouais, super. Ok, bon bah super, super. Ah, tout ça pour aller libérer le mec qui vient de la prison. Oh putain. Mais regardez, sans pour les trombettes, pour passer par ça s'enfuir, au lieu de ça, il est revenu ici pour mourir à l'attaque. C'est vous qui allez mourir. C'est vous qui mourira. Ah, voici de l'excellent bricolage. Serais-tu disposé à laisser partir un sans-poil? Bah, bien sûr. Ouah, je commence à m'inquiéter là-dedans. Merci de m'avoir secouru, mec. Et tu me donnes rien? Alors que tu t'appelles Monsieur Smith. T'as pas des crafting, Monsieur Smith? Il va me donner un truc, c'est sûr. Vous allez voir. Eh bien tiens, c'est un passe-partout. Ah, j'ai récupéré mes outils, mais si on essaie de s'échapper, on nous reprendra. J'ai une idée, je sais. Je vais attendre que ces sales rongeurs s'endorment, ils doivent bien dormir parfois. Une fois endormis, je suis sûr de pouvoir m'en aller sans risque. Bah j'ai tué tout le monde, bah, je te rassure. Égoïste, monsieur Smith, j'avoue. Hein. Elle est verrouillée. Enfin, du moins, en attendant que moi et mon talent légendaire nous serons chargés de cette serrure, de rien du tout, regarde. Ah. Je vais pas m'ouvrir la grande porte en bas aussi. Tant qu'à faire, hein, je dis ça. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais... Attends, peut-être qu'il est... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est parti dans une maison. Et qu'il faut aller dans une maison pour débloquer quelque chose. Genre la suite de l'histoire, par exemple. Je le sens gros comme une maison. Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout me faire rater. J'ai décidé d'attendre jusqu'à ce que les primates s'endorment. Quoi? Une porte refuse de s'ouvrir à toi? Ah bon, où est-elle? Ok, me voilà. Aucune porte au monde ne peut me résister avec mes talents de crocheteur. Ah, c'est sûr, vous voyez. Et là, on aurait cherché pendant 2h30 encore alors que le mec était juste dans une maison au fond caché, quoi. Ah là 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 là. Alors par contre... Comment on récupère les coffres de tout à l'heure? Les coffres qu'on a vus, vous savez? On a vu les coffres. Avec un bouton. Moi, ça va être pour le retour. Quand on revient d'après le boss, genre on appuie dessus et ça ouvre un... Oh non, faut tout refaire. On ira voir après. Je suis revenu au début de l'entrée de la porte, machin. À tous les coups, les singes sont revenus. Eh oui. Eh, tu m'avais pas dit que cette petite sortie nous amènerait à traverser les troupes de Meporg. Écoute, ouais, on va tuer les Meporg. Oui, oui, j'ai compris. Soit je retourne dans ma cachette. Oh merde, je pensais qu'ils allaient au milieu. Eh ! Que les barcés, ces foutus singes qui fourrent leur nez partout, hein, bon boulot. Moins là de poils, mieux c'est. Ça, c'est une autre histoire. C'est raciste, hein. Il est temps à présent que je dévoile les talents que tu ne connais pas. Je suis le crocheteur. Inspire profondément, mec. Il te faudra des calmants, mon pote. J'ai du mal à me concentrer avec toi sur le dos. Alors, le serrurier s'occupe de la vieille serrure qui émet un agréable bruit sec en cédant.
La porte est ouverte à présent. Et voilà, je fais mon boulot. Et c'est du super. Alors, je m'en félicite. Si tu as encore besoin de mes services, appelle-moi, je viendrai. Là, tu peux y compter. Super. On va arriver au boss, c'est sûr. Il est où le boss? Pardon. Mais ça va bien ou quoi là? Eh oh! Oh, ces boules de feu qui te suivent là. Ah, attendez, je crois que j'ai compris un truc. Je crois qu'on va bien se faire chier, regardez. Je crois qu'il faut que ça allume les flammes. Non, les monstres ils sortent de ça. C'est quoi cette histoire? Regardez. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, j'ai poussé un truc sans faire exprès. Oh mais putain, ça fait chier! Excusez. Mais voilà, faut appeler le serrurier encore. Mais il y a les meuporgs qui font chier. Ok, là, qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a rien, évidemment, on fait toujours le mauvais côté. Ok, là où il y a un coffre. Ah, un faucon encore! On va régénérer un peu. Combien il y en a de faucons? 42 en vrai, hein. Bédé bédé, bédé bédé bédé, bédé 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 bédé. Je sais pas combien il y a de faucons, attendez, je vais regarder. Au maximum. Bah d'après la soluce que j'ai sous les yeux là, parce que bon, ça m'a pas l'air ouf, hein. Il y en a 45. Putain, en vrai on aura quasiment tout eu, c'est ouf, hein. Je suis assez surpris. Bon, je reviens un petit peu parce qu'on n'a pas beaucoup de points de vie et je sens que là, ça va secouer du cul. Il y a les fesses qui vont faire des castagnettes. Préparez-vous. Ouais, c'est bon. Ah, pourquoi je peux monter sur un caillou là? Pourquoi ils ont mis un caillou en fait? C'est ça la grande question. Là, il y a une échelle qui s'ouvre. J'imagine que l'échelle est un raccourci. Possiblement. On va tester, on va voir. Hein. Oui, l'échelle est effectivement un raccourci. Un petit raccourci. Dans le milieu, on appelle ça un raccourci. Pourquoi les singes auraient mis ça alors qu'ils grimpent aux arbres, on sait pas, mais... Apparemment, ils ont prévu de mettre un raccourci pour nous. Ils sont gentils. Et t'es pas déjà venu ici? Je sais plus. Oh non, pas encore. Il y avait un trou. Je comprends mieux le raccourci maintenant. En fait, il y a un trou comme ça. Regardez, vous pouvez vous amuser à vous faire chier. Vous voyez, à ramasser tous les coffres. C'est super, hein. Évidemment, pour ramasser tous les coffres, à chaque fois, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez sortir. Et tout retraverser. Vous voyez? Est-ce que vous me voyez? Regardez. Ah, voilà.
fantastique. Ah chouette, tu montreras ton site de burger quand t'auras fini. Hein. Je vais voir ce que t'as fait. Hein. Tu me l'enverras à MP Discord. Aussi, je vais acheter des hamburgers. Acheter un petit hamburger. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre de mort ici? Une herbe. Oh non, un florin. Alors, ça c'est non. On prend pas le florin, hein. On s'en balèque. Hein. On se retape pas le tour complet juste pour un florin. Je vous le dis tout de suite. Bah là, j'imagine qu'il doit y en avoir un qui doit être là, de coffre. Il fallait sauter. Oh putain, il m'a propulsé. Les sous, on s'en fout, les sous aussi. Je prends pas. C'est bon. Pas le temps de niaiser, là, pendant 2 heures. Il y a un truc là-bas? Non. Ah oui, mais... Ah oui, d'accord, là, oui, je vois. Là, il y avait l'interrupteur. Ah non, je suis con, il y a un truc là-haut, appuyé. Attendez. Interrupteur, on va l'avoir, vous allez voir. Regardez. J'ai l'impression qu'on peut pas. J'ai l'impression qu'on peut pas. De l'herbe. Oh, attendez, il y a un moustique. Je l'ai eu. De l'herbe, on s'en fout. On a un petit bouton. Qu'est-ce qu'il y a derrière le bouton? Hé hey, une clef. Je sais pas à quoi sert, mais on a une clef. Et ça, c'est pas mal. Ah, attendez, il y avait un autre truc là encore là-bas, là. Avec les singes. Ça peut être. Je vois pas du tout. C'est un endroit où on avait été ou pas encore, je sais plus. Bébé. Oh la musique par contre elle commence à rendre fou là. Frère, Dinote là en boucle. Ça commence à faire beaucoup. Oh la VOD, oh, YouTube désolé, la VOD elle va encore durer 1h30. Tu vas kiffer YouTube. Kiffe ta race. Tu vas kiffer la vibe avec ton mec, je te le dis tout de suite. Non, foutez-moi la paix. Oui. Hop, 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 hop. Ça passe. Comme papa d'un moment. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, ici. Ici, on est bloqué. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, il y a des singes. Oh, foutez-moi la paix. On peut même plus jouer tranquille. Hein. Ça, il a mort le coup. Alors ça, par contre, 100%. Il se passe un truc avec ça, là. C'était sûr. C'était sûr. C'était sûr. Et là, par contre... De l'herbe. Vous allez voir. Oh, des sous encore. On sait plus quoi faire du pognon. De l'herbe. Voilà. Ah c'est tout par contre, on a vraiment pris cher par contre là pour le coup. Deux fois par contre, vous avez vu? Et là de ce fait on n'a pas été là-bas. Alors qu'il y a quelque... Il y avait un truc à récupérer mais... On va voir ce qui se passe si je tombe dans le trou. On tente. Vous êtes prêts?
C'est parti. Bon. D'accord, bah je prends. Hein. Je dis pas non. Ouh là là. Ah, de l'herbe, super quoi, c'est un... Bien content, mais... Waouh. J'ai vraiment sauté dans un trou pour ça. Est-ce que j'ai vraiment fait ça? Apparemment. Apparemment, c'est la vie que j'ai essayé de mener. Ok, qu'est-ce qu'il y a au bout de ça? Y'a pas un coffre ou quoi? Non, y a pas un truc caché. Ok. La sortie mène où? Sait-on jamais? Être un endroit mystérieux ou pas du tout. Ah si, attendez, les coffres. Et voilà, 45 points de vie, wesh wesh wesh. sur 50, hein, je rappelle, hein. On est quasiment au bout. Hein. Il y a un point de vie chez où on le récupère, c'est avec les faucons. Oh, GG, merci. On a ouvert la porte. Oh, on avait la clé. Ah, tu oses venir jusqu'ici, humain, sans poil. Ah, tu vois le sort qu'on te réserve. Ah ouais, c'est quoi, vas-y, montre-moi. Montre-moi le sort que tu me réserves. Fais voir, fais voir. Ah ouais, je vois ça. Ah ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Oh là là, dis donc. Ah ouais, bien joué. T'es auto-tué. Bien, ouais. Clé d'élévateur. Allez. Et ça continue la progression. Ça qu'on veut voir. Putain, cette musique. Je suis en train de devenir fou, ça y est. Deviens fou. Il devient fou en direct. La VOD. Ah mais c'est fermé. Ah oui, on a pas activé l'interrupteur en bas. Attendez. Il y avait un interrupteur là. Alors juste, on va sauvegarder, on va juste voir ce qui se passe si je tombe ici. Ok, on vient ici. Donc ça c'est vraiment pour revenir en arrière. Mais ici on n'a pas appuyé sur l'interrupteur. Oh non, pas vous, le retour. Le retour bis. Hop. Il va jusqu'où, lui? Ah non. J'ai tombé. Vas-y, je tank. Balek. J'accepte de prendre des coups. Par contre là je veux bien mais ça me semble un peu loin, non? Non, ça passe. Oh putain, il m'a poussé. Oh là là, c'est chiant. C'est bon. Alors ça a ouvert quelle porte du coup? Celle-là aussi? Oui. Ah, et là on retrouve l'escalier de tout à l'heure qu'on parlait. On avait dit, tiens, c'est bizarre, il y a des monstres là et... C'est fermé ici. Ah, ok, d'accord, parce que... Escalier, okay. On a encore des macacos. Ok, ça ouvre la porte. Et je pense que ça me ramène là tout à l'heure où c'est qu'il y avait le trou dans le sol, non? Pas du tout. Bah oui, mais il m'emmène là, mais du coup ça on l'a déjà fait tout à l'heure sans faire exprès.
En fait, finalement, on était dans le futur. On était un peu dans le futur. Tout à l'heure, on avait triché, en fait. On était tombé dessus en trichant. Finalement, l'un dans l'autre, la triche gagne toujours. Bon, on va se refaire un tour gratuit. On va récupérer un peu de vie. Le roi de la vie dans les buissons, là. Oh, la VOD de 2 heures, quoi. Je vais la couper en deux, je pense. Alors, je repasse par là parce qu'en fait, je voulais savoir ce qu'il y avait. Tout à l'heure, quand on a sauté dans le trou, on n'est pas monté à l'étage pour voir ce qu'il y avait. Nous, on a directement sauté dans le trou. Et du coup, on a peut-être raté quelque chose de l'autre côté. Ah, j'ai pas le temps. Alors qu'est-ce qu'il y avait de beau ici? À part des singes quoi. Oh chiant. Ok, ok, super. Et sinon à part ça... Oh putain. Ça dure vraiment genre une frame quoi. Yo. Hein? Mais ça mène où ça? Mais je suis où? Mais je suis perdu. Mais descendez là, bande de fumier. Ah, fumier. Et où fumier? Fumier. Bande de fumier là. Et du coup on est où là? Mais du coup, j'en fais quoi de la clé de l'élévateur, là? Et c'était où qu'il y avait un ascenseur où il fallait une clé? Au milieu, peut-être au milieu, il y avait une porte où il y avait marqué... Ah, cette porte ne bougera jamais, non? Il n'y a pas un truc comme ça au milieu? Vers là, là. On avait dit, ah bah ce serait bien que le serrurier y vienne. Enfin, le serrurier, le crocheteur. C'était par là, je crois, mais... Ça, franchement, j'aurais été persuadé qu'il fallait tous les allumer avec des flammes, mais bon. Ah, c'est là. On va mettre un coup de régène. Allez. On est prêt. Sans le boss final là. La clé rentre à peine dans ce minuscule trou de serrure. C'est si juste qu'on va avoir du mal à la faire tourner. Comment ça, c'est la clé qui va là-dedans? Je veux tourner la clé en forçant très fort. Oui. L'endroit, c'est de tourner la clé en forçant très fort, mais elle refuse de bouger d'un seul millimètre. Pire encore, la clé est tordue. Bizarrement. Il est douloureusement évident que la situation nécessite une intervention de professionnel.
Envie de canner. Et donc là, effectivement, il va falloir tuer tous les singes. Et qui dit tuer tous les singes, ça va être un enfer. Parce que pour qu'ils arrêtent de respawn, il faut allumer les flammes avec la flamme qui nous suit. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'elles nous suivent tout le long pour allumer toutes les flammes. Et ça va prendre 2 heures. Spoiler. En fait, on a été tout là-haut chercher une clé pour finalement aller voir un mec pour lui dire ouvre-moi la porte. Le mec, on l'avait depuis le début qu'on avait dit pourquoi on demande pas au mec qu'il nous ouvre la porte. Et il est où maintenant, Jacques a dit là. Mais il est où? Il reste une maison en bas. J'ai encore espoir. J'ai encore l'espoir de le voir dans la maison qui est, n'oublions pas, ici. Ici. Il est là. Et là, comment vas-tu? Quoi? Hein? Quelque chose ne va pas avec ta clé? Oh, c'est terrible, mec! Est-ce que tu as vraiment besoin que cette clé soit redressée? Oui. Ah d'accord, fais-moi de la place. Voilà mon ami, un travail de toute beauté. Je m'en félicite, regarde. Droite comme une flèche et un peu petite pour rentrer plus facilement. Pas la peine de m'applaudir. Ah non, ça va. Ah c'est bon. Oh, ça va aller vite. Ah super. Ah je suis heureux, ça va aller plus vite. Plus vite que prévu. Ascenseur. Les flammes. Bon, j'esquive. Pardon, excusez-moi, pardon. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. La clé glisse dans la serrure comme du beurre. Mais faut-il la tourner? Oui. La porte s'ouvre avec un grincement agréable à entendre. Bravo. Allez, c'est parti. C'est sûrement Zazan là-haut. Oh, ça approche du boss là. Oh non, encore des macacos. Ah, tu es arrivé bien loin sans poil, mais c'est ici que s'arrête ton misérable voyage et tes prétentions. Et comme par hasard, cela marque aussi la fin de ta vie. Ah oui, super. C'est ce qu'on va voir. Regardez. Alors ? Elle est où la fin de ma vie là? Elle est où? Et voilà. A plus. A plus les macaques. Vous êtes des zinzins vous. Hein. Des véritables zinzins. Des maboules. Je crois qu'il y a un coffre là. La déception de l'homme. On va régénérer un tout petit peu. Pour être prêt pour le boss. Allez, ready. Oula, musique fait peur ça. Qui ose me défier? Quoi? Un simple humain? Tu es l'ennemi juré des Moporgs? Ah, je me nourrirai de tes entrailles frémissantes. Pardon? Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? La rotonde va tourner? Ok, on peut pas le taper quand il fait la rotonde va tourner. Là. Et là on peut. Et ouais mon petit gars. Oui d'accord, t'envoies des cailloux. Et là, la roue va tourner. Vroom 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 vroom.
Je vais te désinguer, Zanzan. Zazan. Oh non, il m'a niqué. Non! Quoi? Oh la fourbance! Mais il me laisse pas! Vous avez vu, il me laisse pas! Il fait des rebonds, il fait des rebonds. Il rebondit, rebondit. Défense, hein, je te défonce, hein. Oulala, ma fente. Oh putain, raté. Putain, il m'énerve. Envie pour les coups chargés. Putain. Oh, il est vénère. Bats les couilles des petits singes, bats les couilles, on focus. Je focus. Ah. Je te désingax. Allez, Zazan, roi des meuporcs vaincu. A défoncé. A défoncé. Car. Qu'est-ce qu'on gagne à avoir fait ça là? On va récupérer les joyaux qui manquaient. Ils avaient volé. Et oui. Bravo. Agathe de Power. On a eu Agathe de Power. Et on a eu le grenat. Comme chantait, comme elle chantait l'autre là, prends garde au grenat. Sous le sein, le grenat. Oh, c'est, ça rigole pas la musique là. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les meuporgs là maintenant? Ils vont fermer leur bouche. Ah, les meuporgs. Ils sont où les meuporgs, hein? Il la ramène plus là. Ah si, il la ramène quand même encore. Et votre chef il est mort, hein. Vous êtes au courant de ça que votre chef il est mort ou pas? Comment ça se passe? Votre chef il est mort. J'aurais pu courir. Allez, direction le village. Direction le village. On prend le téléporteur, ça ira plus vite. Si j'y arrive. Il est où le téléporteur? Il est par là, non? Allô? Brûlède. Ah non. Oh non, pas ça. Ah, ça va.
Oh, et l'autre, on l'a défoncé sans utiliser de magie en plus. Hein. Trop simple. Ah, ça rend pas de la vie ici. Oh, mais merde. Je suis déçu. Je pensais que ça allait... je pouvais me soigner ici, mais en fait, non. Il y a que la sauvegarde. Bon Yoshi, bah, du coup on va sûrement couper l'épisode là que tu viens de voir, il aurait été coupé en deux du coup parce que... Ce qui fait que ça n'aura pas été l'avant-dernier épisode. Mais là, nous sommes à la partie au chapitre 41 sur 42. Il nous reste la montagne à faire et le boss de fin je crois. La montagne... Ouais, le boss de fin, je crois, un truc comme ça. Donc il doit rester au moins deux vidéos alors du coup, ça a été plus long que prévu en fait. Hein. J'aurais vraiment pas pensé que ça allait être si long. On a vraiment tourné beaucoup en rond avec le... Dans le machin là. Vas-y bébé. Bonne nuit chouette, des bibis, repose-toi bien. Bon courage pour demain. Merci beaucoup d'être passé ce soir. Des bibis. Où on en est là des cristaux, vous savez qu'il fallait déposer là. C'était où d'ailleurs? C'était là, non? Allez, je mets la carte. Il faut aller à la mine. Ok, par en bas on peut y aller là. Ici. Normalement il y en a 7. On va compter ensemble, comptons. 1. 2. 3. 4. L'armoire de diamant a été placée sur le piédestal. Ben non, c'était l'agate du coup. C'est con quoi. C'est bugué. Il nous manque le diamant du coup. Attendez, je suis perdu là. On était à 4 hein. Oui, 4. Allô ? Oui. 5 du coup. Il y a le 6ème qui est par là normalement. Putain, là-bas on le voit pas. Et du coup je peux pas remonter dans la rivière. Parce qu'il y a le courant. Merde. Ah, peut-être que je peux aller par là. Fais un effort. Mais il en manque un là encore. Oh merde. Il en manque 2. Et comment je remonte d'ici? Je suis bloqué. Le jeu joue pour moi. Le courant automatique. Pas comme des antibiotiques ça. Hein.
Et on y m'amène où là? Traverse la nappe. Tout va bien se passer, on va traverser la map. En douceur. Donnez pas un nouveau truc lui par hasard. Il sait que vous avez donné aux morts une certaine forme d'intelligence. Ce serait stupide de ta part de sous-estimer leur force. Le russe, sois prudent. Il y avait quoi en bas là? On n'a jamais laissé rien en bas lui. Je sais plus. Ouais, donc là, en vrai, voyons, on a 42 sur 45 des faucons. Il y a un point de vie qui est donné en ayant les 45 faucons, donc on sera à 46 points de vie. Donc finalement, il nous manque 4 points de vie qu'on n'aurait pas trouvé dans le jeu. 4 points de vie et 3 faucons. En vrai, c'est propre, hein. C'est là la maison ? La maison. Du père. Il est du père. Sachant que là, après là où on va aller, on va récupérer un point de vie, un faucon. Deux faucons, pardon, et un point de vie. Et sur le dernier, on va récupérer le dernier faucon et un autre point de vie. Donc on aura 46, 47, 48. On aura 49 points de vie. On a tous les faucons. Et il nous manquerait un point de vie qu'on n'a pas trouvé. J'ai pas oublié. Ok. Septimus. Certains villageois disent que Torla a fait éruption parce que les dieux sont en colère, mais ils ne croient pas cela. Cela signifie que Melza se trouve à l'intérieur du monde. Je pense qu'il y a des chances que Melza se trouve dans le palais au fond du lac abyssal. Et c'est où ça, le palais du lac abyssal? Ah bah c'est là où il y a les cristaux, j'imagine, là où on met les cristaux. Ok, donc il faut aller, bah donc du coup, effectivement, au lac là-bas, là. Enfin, au lac, la montagne. Est-ce que par hasard, tu voudrais bien me vendre... Tu voudrais bien me vendre ça. Je sais pas comment on l'achète cette armure. Peut-être que quand on meurt, on n'a plus d'armure, du coup il faut racheter une armure, c'est peut-être pour ça. Ah bah tiens. Ah bonjour Aloudra, je reviens d'un voyage au Mont Torla, où je m'étais rendu à la recherche d'une herbe rare. Comment suis-je arrivé là-bas? La piste commence juste à droite, à l'entrée, menant à Magiscar. J'ai suivi la piste dans la direction, tout droit jusqu'au mont. Je n'ai pas trouvé d'herbe, mais à mon arrivée, le mont était en feu, recouvert d'une lave en fusion. À quoi tu veux savoir comment y entrer? C'est impossible. À moins qu'à l'intérieur du manoir de glace se trouve le bâton de glace. On l'a déjà du coup. Enfin, tu pourrais t'en servir pour refroidir la lave, Maloudra. Pourquoi vouloir pénétrer à l'intérieur du mont? C'est tellement dangereux. Est-ce que maintenant tu voudrais pas me vendre ton armure? Mais apparemment non. On va les sauvegarder.
Voilà du coup YouTube, j'espère que ça t'aura plu. On approche vraiment de la fin là pour le coup. Là, putain, je le dis à chaque fois, mais le jeu est très long. Le jeu est toujours plus long que prévu. Donc voilà. Donc on va se quitter là. Rendez-vous pour le prochain épisode pour le mont Torla du coup. Je te fais des bisous.